Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et aujourd'hui, on va revenir sur la carrière de notre Français, Evan Fournier. Après 12 saisons en NBA, l'arrière a décidé de quitter les parcs américains pour rejoindre l'Europe, et plus précisément la Grèce, à l'Olympiakos. Il jouera donc en Euroleague et quitte la NBA et les Detroit Pistons, sa dernière équipe outre-Atlantique. On va donc revenir sur toute la carrière américaine du natif de Charenton pour un road trip de Denver à New York en passant par Orlando et Boston. Avant d'arriver en NBA, Evan Fournier sort de deux saisons pleines en Pro A du côté de Poitiers en étant élu meilleur jeune et meilleure progression de l'année lors de sa dernière saison à 14 points de moyenne. C'est tout naturellement donc qu'il se dirige vers la draft NBA 2012, une draft où Anthony Davis est choisi en 1, Bradley Beal en 3 et Damien Lillard en 6. Mais pour voir notre Français, il faudra descendre à la 20e place. Et c'est Denver qui ramène donc Evan Fournier, son numéro 94, numéro de son département d'origine. Cependant, le coach George Karl n'est pas vraiment disposé à le faire jouer énormément, malgré qu'il reconnaisse un joueur avec de grandes qualités et un QI basket évident. Evan se contente de quelques rentrées en fin de match et une fin de saison avec plus de minutes et donc de bonnes perfs offensives. Après deux saisons compliquées en termes de temps de jeu dans le Colorado, Fournier est échangé et atterrit du côté d'Orlando où il écrira les plus belles lignes de sa carrière en NBA. Cette saison de montée en puissance permanente, d'autant plus après le départ de Victor Oladipo du côté du Thunder en 2016, c'est d'ailleurs avec l'arrivée de Steve Clifford au coaching en 2018 que l'on verra la plus belle version d'Evan Fournier. Orlando retrouve les playoffs, Nikola Vucevic est All-Star et Evan s'en rapproche également avec ses 19 points de moyenne. A leur côté, il y avait aussi un Aaron Gordon dans un rôle totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui aux Nuggets, plutôt poulet sans tête que coéquipier exemplaire. Pour ce qui est de son style sur le terrain, Fournier c'est un excellent shooter à 3 points, capable de scorer énormément offensivement. En revanche, ce n'est pas qu'un shooter, loin de là. Capable de finir au cercle, même bien défendu, c'est aussi un gros QI basket, mais aussi un joueur ultra clutch. Beaucoup lui ont souvent reproché son manque de défense et de playmaking. C'est fondamentalement vrai. Même si on a vu sa défense s'améliorer, notamment en équipe de France cet été, où il aura d'ailleurs été le leader offensif de cet entre-deux générationnel, entre la génération Tony Parker et la génération Victor Wembanyama. Seulement voilà, le trio Fournier, Vucevic, Gordon, ça a ses limites et c'est compliqué de réellement passer un tour de playoff avec ce genre de trio-là. Et ça, Orlando le comprend et décide donc d'exploser son trio pour totalement se reconstruire. Aaron Gordon ira du côté de Denver pour totalement se transformer avec la réussite qu'on lui connaît et donc un titre de champion NBA. Nikola Vucevic ira du côté de Chicago pour aller jouer la médiocrité chaque année. Et enfin, Evan Fournier, lui, ira du côté de Boston. Dans une saison où les Celtics, bien que déjà emmenés par Tatum et Brown, étaient pas du tout dans la même spirale positive qu'aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, ils ont dû passer par le play-in pour aller en play-off, victoire face à Washington, avant de s'incliner face aux Nets de KD en play-off. Et dans une interview récente aux médias First Team, il explique parfaitement une situation particulière des Celtics à l'intersaison. Des rumeurs persistantes sur un duo Tatum et Brown qui ne s'entendraient pas, le coach Brad Stevens qui vient d'être viré en fin de saison, et Danny Ainge, le GM qui va également démissionner. Bref, une situation compliquée lorsqu'à la fin de saison, Evan est agent libre et doit faire un choix. Rester à Boston malgré le chaos qui y semble y régner, ou aller du côté de New York où les Knicks lui ont fait une bonne proposition de contrat. Il choisit de rejoindre Big Apple et les Knicks pour 78 millions de dollars sur 4 ans, et les débuts sont incroyables avec un premier match sensationnel à 32 points, dont 6 paniers à 3 points et une ambiance de feu au Madison Square Garden. On pense alors que le trio Kemba Walker, Evan Fournier et Julius Randle allaient remettre les Knicks tout en haut de la conférence Est. Evan Fournier battra même le nombre de 3 points inscrits par un joueur des Knicks sur une saison en étant dans le top 5 de toute la NBA avec de beaux pourcentages et 241 tirs primés. Un record qui sera battu que la saison dernière par Donte DiVincenzo. Cependant, les Knicks n'atteindront pas les playoffs, avec un Kemba Walker décevant notamment. Et l'intersaison va alors tout changer. Jalen Brunson est signé, Kemba Walker prend la porte, et sur le poste d'Evan, Josh Hart arrive en cours de saison. Le début des Villanova Boys, qu'on vit actuellement dans la fournaise de New York. Malheureusement enfermé dans un rôle de spot-up shooter et avec un manque criant de défense, Tom Thibodeau décidera de complètement laisser de côté notre Frenchie, qui vivra donc deux saisons de calvaire à New York. Voici ce que Evan Fournier a également déclaré à l'équipe au sujet de Thibodeau et de sa mise à l'écart. « Je ne veux pas mettre ça sur lui, mais mes deux dernières années aux Knicks m'ont fait mal. Après un an, j'aurais pu rebondir, mais après deux, même si je pense l'inverse,
je comprends que des équipes aient pu s'interroger sur ma capacité à retrouver mon niveau à 31 ans. On refera pas l'histoire évidemment, hein, mais il a aussi révélé que les Lakers, juste après le titre de 2020, étaient très intéressés, mais également les Kings lors de sa première saison à l'écart aux Knicks. Dans le second cas, c'est lui qui a refusé pour ne pas faire déménager sa famille et sa femme enceinte à l'autre bout des États-Unis. Un petit trade en février pour l'envoyer dans le marasme de Detroit avant donc de décider de quitter la NBA. Il a révélé également avoir eu une offre de Washington pour faire du mentoring la saison prochaine auprès des jeunes Frenchies, mais il a décidé de la décliner pour revenir en Europe. La suite, c'est donc la Grèce, l'Euroleague et l'Olympiakos. Lorsqu'on lui pose la question de pourquoi l'Olympiakos, Evan Fournier répond qu'il s'agit d'un des deux seuls clubs pour lequel il aurait imaginé revenir en Europe, le deuxième étant le Paris Basket, mais les discussions n'ont pas abouti. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans son interview à First Team. A titre personnel, je vais pas cacher ma déception, je pense sincèrement qu'il avait encore sa place dans le roster d'équipes NBA compétitives. Quand je vois les Warriors signer Buddy Hield, bah honnêtement, je me demande si tu fais une meilleure affaire que s'ils avaient pris Evan. Pour moi, Evan m'a vraiment marqué. D'abord, oui, pour son talent sur le terrain, mais également pour sa mentalité. Celle d'un gars qui est capable de tout pour gagner, un compétiteur, mais aussi une grande gueule. Il a été l'un des premiers à ouvrir son quotidien de joueur NBA aux caméras, souvent à Beansport, mais également sur sa chaîne YouTube avec une série documentaire que je vous recommande. Bref, c'est un joueur que j'aime regarder jouer, mais également une personne que j'aime entendre parler en dehors du terrain. De son côté, il a déjà joué un premier match amical avec une ligne de stats très surprenante. 0 points, mais 8 passes décisives. On va évidemment continuer de suivre la carrière d'Evan Fournier en Grèce, mais je suis content tout de même qu'il puisse reprendre du plaisir à jouer au basket. On l'a vu aux Jeux Olympiques, c'est un gars qui a besoin de se sentir bien sur le terrain, de prendre du plaisir avec un grand public. Et pour ça, en Grèce, il sera largement servi. Enfin, j'aimerais préciser que j'ai volontairement fait le choix de complètement zapper sa partie en équipe de France. Pour une raison très simple, elle n'est pas terminée. Parce que oui, s'il a fait une croix sur la NBA, c'est pas le cas de l'équipe de France, avec laquelle il répond présent chaque été depuis le début. Il a récemment confirmé d'ailleurs qu'il sera disponible pour le prochain sélectionneur de l'équipe de France, avec la prochaine échéance, l'Eurobasket 2025, où il devient éligible pour les fenêtres de qualification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Evan Fournier. Alors, que pensez-vous de sa carrière en NBA? À vous de nous le dire en commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.